Bonjour à tous et bienvenue sur mindofcrystal.com. Je suis en compagnie de pas mal de monde, donc en compagnie de Donald Duck, de Daisy, d'une petite fille en short et d'un DJ marqué Daisy dans le dos. Donc je vous présente officiellement mes compagnons sur le serveur qui sont en fait Baal, Petit Ange, Ragmao, DJ Car officiel pour ceux qui veulent son nom en complet. Il manque pas mal de monde, il manque encore Tazou qui nous rejoindra plus tard. Et on va faire une petite visite, voire une longue visite du Modern City. Modern City qui est un projet communautaire qu'on a commencé il y a pas mal de temps maintenant et qui a pas mal avancé. Donc on devait faire une visite, on va vous la. Donc je suis avec tout le monde, donc on va commencer par le spawn. Voilà. Alors le spawn, en fait, le spawn a beaucoup changé. C'était un bâtiment très rustique, en stone, en cobble, en verre. Et on a fait passer notre architecte maison, qui est Natsuki. Qui nous a fait un spawn, une grosse maison d'architecte. Je sais pas, ce que vous en pensez. Franchement, ça a changé, quoi. C'est bien plus joli. Mais voilà. Ça va pas du tout avec la gare. Ça va pas du tout avec la gare, et la gare sera changée la prochaine fois. Merci Ragmo pour cette remarque pertinente qui nous fait rappeler qu'on n'a pas fini de bosser. Pour ceux que ça intéresse, le shop a changé aussi. On retrouve des petits shops serveurs qui, comme leur indique, sont des shops serveurs, et comme c'est marqué sur le panneau, c'est cher. C'est cher et c'est très cher, c'est pourquoi c'est pour les fainéants qui sont pas capables d'aller farmer un petit peu. Donc évidemment les panneaux de règlement n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes, le règlement est toujours le même, vous le connaissez, vous l'avez lu, vous le connaissez par cœur, il n'y a pas de souci. Donc plutôt que de sortir vers la gare qui doit être changée, on va sortir de l'autre côté vers Modern City. Donc sur la gauche on a l'arène de boxe, donc on ira faire un tour tout à l'heure avec Tazou. Et devant vous avez le premier bâtiment qui a été fait avec Modern City qui est... un gros truc qui monte, carré, en forme d'étoile. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est joli quand même. Voilà, merci, ils sont gentils avec moi. Donc c'est quoi ce bâtiment? C'est un grand bâtiment assez imposant, voire très imposant. Le but c'était de faire des grands appartements. Donc c'est des appartements de type loft, avec un environnement très écologique, très vert. Voilà quoi, et puis un petit plugin d'ascenseur. Alors voilà, on se retrouve à faire un bug malencontreux du super admin qui a oublié d'enlever le replay item. Donc on est toujours en bas de l'escalier, en bas de l'ascenseur. Vous avez rien vu, évidemment, c'est magique. Donc on va tous monter dans l'ascenseur, on peut monter à 4. Et là, on à va 5, tous... Oui, à 5, allez, il y a qu'à DJ, appuie sur le bouton. Oui, ça fonctionne et tout le monde est monté. Ah, voilà. Et on arrive au premier étage, donc tout le monde est monté, vive les ascenseurs. Donc il y a une petite vidéo qui tourne sur l'ascenseur que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Et donc vous voyez, en fait au milieu on a un gros arbre, donc c'est bien écolo, c'est bien vert. Des petits appartements dans les coins, enfin en fait c'est pas des petits appartements, c'est des duplex sur deux étages. Donc il y a vraiment, un gros bâtiment. Ils sont quand même très assez grands, quoi. Qui est sorti de ma tête et qui est aussi bordélique que ma tête. Alors tant qu'on est là, il y a un cinéma là-bas, je vous propose d'aller voir vite fait le cinéma. Pourquoi? Parce que c'est le bâtiment qui est le plus près en sortant d'ici. Vous voyez aussi sur la minimap, tout autour c'est très arboré, c'est beaucoup de jardins, beaucoup de promenades. Voilà, donc ça c'est plus. Et le cinéma. Qu'est-ce qu'il est beau ce cinéma! C'est normal. C'est toi qui l'as fait. Ah bah voilà. Alors c'est pas que moi qui l'ai fait, il y a beaucoup de monde qui a participé dessus. La structure de base, c'est un cinéma qui ressemble à un Gaumont pâté qu'il y a dans toutes les villes. Donc une structure en L. Il y a beaucoup de monde qui a farmé la laine parce que vous imaginez pas les doubles coffres de laine qu'il a fallu ici. Ici c'est un tourniquet, vous voyez, il tourne. Ouais, le tourniquet tourne. Alors pour imaginer que le tourniquet tourne, il suffit de tourner autour. C'est bien fichu quand même. C'est un plugin qu'on a inventé, c'est le mode tourniquet. Et si vous regardez bien, tout le monde tourne. Ah ouais, tourne. Ah ouais, c'est génial quand même. Ah ouais, on va le mettre en ligne sur minecraft.fr. Alors là ici vous avez petit ange va m'en vouloir. Un salon détente, qui est, vous voyez, là-bas il y a le bar et pas mal de banquettes. Alors pourquoi je dis Petit Ange à m'en vouloir? Parce que Petit Ange avait réalisé ce salon, donc toutes les formes, tous les emplacements, c'est elle qui a tout placé. Ah, merci. Voilà, c'est vraiment elle qui a tout réalisé, cet espace détente. J'ai juste embêté le monde en changeant un peu les couleurs des banquettes, parce que j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus coloré. Sachant que le bâtiment est très gris, très terne, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus flashy. Et sans me vanter, c'est pas mal. Ouais, ça manque juste des serveurs. Ça, ouais.
Donc il manque une serveuse, donc il y a Ragmo. Non, petit ange festival, c'est cool. Ah ouais, il y a petit ange. Ah merci, elle m'a servi une bière. Je ne vous fais pas visiter les toilettes, hein. Il y en a pour les hommes, il y en a pour les dames, vous irez jeter un œil. Bon bah voilà, des toilettes, hein. C'est classique, un cinéma, faut aller. Parce que les films durent longtemps. Aujourd'hui, la caisse, enregistreuse, blabla. DJ va aller activer une petite salle, je pense qu'il va retrouver le chemin. Oui, oui. On va aller visiter en fait une salle de cinéma dynamique. Alors, vous voyez les petites lignes de redstone par terre, hein, pour l'éclairage minimaliste, avec des sièges. Et pourquoi du cinéma dynamique? Parce que bah voilà les sièges. Vous voyez DJ qui arrive là-bas. Vas-y DJ, mets en route le cinéma. Voilà, c'est la fête du slip. Tous les fauteuils qui bougent. Bon, ouais. On avait que ça à faire. Voilà, c'est un cinéma dynamique. Bon, c'était un petit clin d'œil au cinéma avec les sièges qui bougent. Parce qu'effectivement, on aurait bien fait faire tout le plateau qui bouge en même temps et tout. Et puis, on va vous montrer, non, pas celle-là. Pourquoi pas celle-là? Parce qu'elle est normale. Alors, le petit couloir avec toutes les affiches de films, je trouve qu'il y a un pack de textures qui va bien ici que j'utilise, qui est le. Pourquoi elle me pousse, vraiment. Qui est le pack HDCraft. Pourquoi HDCraft? Parce qu'on a des grandes pancartes, bah, petit ange pose devant. Ou bah là par exemple vous voyez un gros dragon de l'Ender avec un petit guerrier qui est sur un cochon volant. Bon, ça, je trouve que ça rend pas mal quoi. On voit pas tous la même chose, c'est ça qui me revient de Minecraft, on voit des choses différentes, mais aussi vous avez un petit film d'horreur. On a dû prendre quelque chose qui était pas trop bon. Voilà, un petit peu hallucinogène. Là on a un petit personnage à la manga dans le laser avec des gaz derrière. Bon, c'est. Vous verrez sur. Enfin. Je disais ça à mes collègues sur la vidéo, je trouve que le pack de texture est vraiment presque adapté au truc. Donc là, dans le couloir, grand cinérama, donc la plus grande salle de cinéma, on a compté... combien on a compté de sièges? Beaucoup de sièges. Je sais plus. Beaucoup de sièges. J'espère que ça va rendre un peu la vidéo, que ça sera pas trop sombre. DJ, mets un petit coup de... Ah bah non, l'éclairage... Donc il y a un éclairage au plafond, DJ, si tu peux passer dans le local technique, couper l'éclairage, s'il te plaît. Voilà, avec l'éclairage qui se coupe. Et allume le projecteur. Donc faut enlever le cache du projecteur et allumer le projecteur. Voilà, et le projecteur qui s'allume pour regarder le film. Donc on a demandé à nos chers développeurs de nous faire de l'incrustation vidéo sur des placards de laine. Ça c'est le projet pour 2018, où on pourra voir les films en live dans le Mirai Crystal. Voilà, et là maintenant qu'on est sorti de là, j'en ai fini avec toutes les bricoles que j'ai fait et on va passer aux bricoles des autres. Donc là, on va suivre maintenant Petit Ange et Bal. On va suivre Petit Ange. Et on va aller visiter la construction qu'ils nous ont fait. Donc on va ressortir par le tourniquet, Petit Ange. Et ça tourne bien, hein, toujours. Ah, ça tourne magnifiquement bien. Ah, y en a qui ont fait un tour en plus. Ah ouais, c'est bien, alors gratuit. Alors là-bas, le M, c'est pas parce que je suis mégalo, hein, c'est pas pour mettre des micros partout, c'est parce qu'on a l'intention, quand la ville va s'étendre, de faire un petit métro. Est-ce qu'il sera plus beau qu'utile? On sait pas encore, on va voir. On voudrait déjà qu'il soit utile, c'est-à-dire que la ville commence déjà vraiment à s'étendre, et l'idée, ça serait vraiment de pouvoir se déplacer vite, parce que là, on commence à courir beaucoup. Alors sur la gauche, vous avez un bâtiment tout vert avec une plantation de cannabis qui est cachée. Que d'ailleurs j'ai pas vu. Qu'il n'a pas vu, donc on vous emmènera faire un tour par la suite. Là on va se retourner vers le bâtiment parce qu'il en manque la moitié. Vive le chargement. Donc je vais mettre la pause le temps que le chargement se finisse. On se retrouve tout de suite. Voilà, petit chargement terminé. Donc j'ai pas bougé, vous voyez, c'est chargé. Donc ceci n'est pas une ampoule. Alors, on avoue, Modern City c'est pas fini et on espère que c'est un projet qui finira jamais dans la mesure où il faudra qu'on ait toujours des choses à faire. On a beaucoup d'idées, on a plein de choses en tête, on a toujours des nouvelles envies et on a vraiment l'intention que ça continue. Donc vous attendez pas si la route elle est en cours, bah la route elle est en cours, voilà, hein, on peut pas dire mieux. Alors vas-y, petit ange, raconte-nous. Petit ange, appuyez et puis sur le pouce tout à l'heure. Oui. Ah, petit ange était avec nous, voilà. Raconte-nous. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc? Bah c'est un restaurant. C'est un restaurant qui est imaginé par rapport, on va dire au départ, à une photo, normalement, qui ne devrait pas ressembler à ça, et du coup qui s'est terminé en petit restaurant. Voilà, donc en fait c'est la création de Baal et Petit Ange. C'est un bâtiment qui a beaucoup bougé, hein, qui là est devenu rond. Au début, il était pas rond, il était octogonal. Bon, il est devenu rond.
Voilà. Il a déménagé parce qu'il n'était pas bien là où il était. Il n'était pas aménagé du tout. Beaucoup de verrières, hein, parce que Modern City, on aime bien voir autour. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu as nous montré. On commence par l'ascenseur. Donc là, c'est un ascenseur spécialement de charge. On peut monter, il y a 9 blocs, bah, presque à 18. Hein. Et on arrive pas en haut. Troll, l'arnaque. Donc là, il y a le deuxième étage où c'est toujours une salle de resto. Toujours deux salles de restauration. Donc, je spoil un petit peu, hein, vous voyez un petit peu ce qu'il y a sur l'extérieur. Donc il y a l'escalier qui permet de redescendre au rez-de-chaussée. Hein, vite fait, vous voyez, on n'est pas monté bien bien haut. Et on va monter au dernier étage. Ah, là il y a une grille, on peut aller faire un tour. Ah, ça j'avais pas vu ça. Ça c'est la promenade tous les tours. C'est la promenade de tour pour aller fumer à l'extérieur, vu qu'il est interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments, et fumer mauvais pour la santé, nous tenons à vous le rappeler. Parce que quand tu fais un repas avec quelqu'un et que tu l'aimes pas, bah... Voilà, ou si le cuistot est mauvais, on peut le jeter par-dessus la herf. Voilà. Allez, on se retrouve tout en haut. Donc là, c'est... cuisine centrale. Vas-y, Daffy Duck, on va faire du canard laqué. Voilà, exactement. Donc petit système de four pour faire cuire... Putain, c'est marrant, les fours, on voit pas les entrées des fours, en fait. Ouais. Non, ils sont cachés. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est... Et donc, beaucoup de verre. Alors, il faut pas avoir le vertige. Non, pareil, toujours pareil. Petit escalier sur les côtés pour regarder... Et là, le but, c'est vraiment de se faire plaisir et de voir toute la ville. Voilà, d'un belle vue. Ouais. Voilà, exactement. De voir tous les autres bâtiments aux alentours. D'accord. Alors là, vous voyez le triboule de Tazou. Donc, on vous expliquera avec Tazou ce que c'est plus précisément. C'est l'un des premiers bâtiments qui a été réalisé, hein, avec l'appartement de l'immeuble d'appartement, quoi. C'est l'un des premiers qui a été fini. Moi j'aime beaucoup parce qu'il est très très éclairé. Quand il fait nuit, malgré qu'il fait nuit, on n'est pas dans le noir avec la glowstone qui a, il y a juste ce qu'il faut et pas trop. Et on a vraiment une vue qui est sympa, et plus la ville s'étendra et plus on espère que ça sera agréable à l'œil. Allez, on va redescendre vite fait. On va passer au-dessus du petit pont que vous avez pu voir juste avant. Alors, maintenant, le plus dur, c'est de trouver l'escalier. Il est là. Moi, je l'ai trouvé. Ah, mais c'est normal, c'est toi qui as fait le bâtiment. Enfin, malheureusement, tu ne trouves pas, quoi. Ah, bah, tu sais, on ne sait pas des sorts. Voilà. Zouf. Et je me retrouve encore en bouton de queue. Et on se retrouve sur la route. Donc la route, vous voyez, on a fait une route très large. On voulait faire un peu des boulevards un petit peu à la Hollywood. C'est-à-dire qu'après, on va essayer de monter des arbres. On va les faire à la main, type palmier. Donc ça sera certainement du boulot, je pense, hein, qu'on va monter à la main assez haut, et avec des feuilles qu'on va poser nous-mêmes pour vraiment donner une impression de très très luxueuse. Donc vraiment des avenues larges. On a mis de la sombrique sur la route, bah, pour la petite touche un peu colorée. Juste du vert, des arbres et du brique. On avouera que les bâtiments sont toujours un peu très gris, très foncés. Ça, c'est sûr que c'est difficile de sortir de cette tête. Ça demande beaucoup de ressources. Ça demande beaucoup de ressources. Ouais. Vous imaginez pas le nombre de moutons qu'on a pelés On leur a donné à manger pour qu'ils refassent de laine, pour qu'on les recoupe tout de suite derrière. On leur a fait faire des enfants pour qu'ils fassent pousser de la laine. Et on arrive devant le bâtiment de Ragbao. Allez, Ragbao, raconte-nous. Un immeuble de coton. Oui. Qui ressemble, quand on regarde la map, à la tête de Mickey. Et surtout qu'il est dans le bon sens. Hein, si vous regardez la mini-map qui est en haut à droite, vous voyez qu'on a une belle tête de Mickey. Comme on dit, hein, Modern City, c'est en cours d'évolution. Donc là, c'est d'après ce que tu m'as expliqué, les petites oreilles, ça serait plus des sites, on va dire, de promenade, peut-être des commerces, restauration, etc. Et la grande tour arrière, dont tu m'avais dit, serait plus des immeubles à louer, enfin des appartements à louer. J'ai bon ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je suis bon ? Alors ici, on a un grand ascenseur central. Alors on va changer de numéro. Vous savez qu'on peut, avec l'ascenseur, on peut changer en cliquant droit, on peut atterrir directement à l'étage qu'on veut. Donc on va directement au numéro 9. Ascenseur où qu'on peut monter à 30 000. Mais on va monter que... Voilà. Après, je suis bugué. Je ne monte pas. C'est pas grave. voilà. Alors le plaisir ici, c'est de pouvoir monter comme dans un ascenseur et avec la cage de verre monter jusqu'en
jusqu'en haut. Et là, on arrive en fait tout en haut du bâtiment. Et pourquoi? Parce qu'on aime bien avoir une belle vue. Et donc, on est vraiment au-dessus de... On est au-dessus du monde. Hein. Si vous regardez le minimap, on est à 120. On est presque au maximum actuel de la carte. Et je pense que les gens qui auront des petits appartements ici, ils seront vraiment pas déçus de la vue. Ouais, on va aller regarder le bâtiment. Ouais, vraiment ça va être sympa. Donc les appartements, on va juste descendre un étage. Les appartements sont tous les mêmes. Là, t'as mis des petits boutons pour voir les portes. Oui, par contre, je ne fais pas d'entrée, il n'y en a pas à l'intérieur. Tu peux pas voir, ils resteront dedans. Donc c'est des appartements type, bah, type studio, mais il y a quand même pas mal de place. Hein. Le but, c'est pas que les gens logent ici, c'est pouvoir s'offrir un appartement dans Modern City. Donc ils seront bons. Avec une belle vue. Avec des très belles vues, hein, vraiment. L'intérêt aussi, c'est que les plafonds et les sols sont doublés. Si le plancher vous va pas, vous voulez mettre de la sandstone, vous mettez de la sandstone, le mec qui est en dessous, il aura pas un plafond en sandstone. Et vice versa, si vous voulez mettre de la laine rose, hein, un petit ange, de la laine rose. Ah oui. Si vous voulez mettre de la laine rose au plafond, il n'y a pas de problème, ça ne dérangera pas les voisins. Vous voyez qu'on a eu un petit bug d'ascenseur parce qu'on était un petit peu trop serré, on a perdu quelqu'un à l'étage. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est quand même assez impressionnant et imposant. Juste pour vous dire que là, c'est des blocs d'argile. Donc vous savez ce qu'il faut comme argile pour faire un bloc. Ouais. Je voudrais quand même féliciter Ragmao qui s'est quand même fait chier à aller chercher l'argile pour monter ces bâtiments-là. Quoi. Autant et la laine, bon, c'est facile. La laine sympa, la laine, bon, on reste à côté des moutons, on bouge pas trop. Là, l'argile, elle a été tout farmée comme une grande avec les coupings. Donc là-bas, il y a un grand bâtiment bleu qu'on vous présentera plus tard avec Gillette, quand il aura des souliers. C'est clair. On va retourner vers la tour écolo. Vite fait, cours Forest. Allez, on va faire une petite ellipse, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, on se retrouve devant la tour écolo. Alors la tour écolo, pourquoi écolo? Bah parce qu'il y coule de l'eau. Allez, après ce jeune van tout pourri, on part du principe que Modern City, bah, c'est une ville moderne et futuriste. Et on se dit que dans une ville comme ça, on ne va pas manquer de nourriture et tout doit se faire tout seul et on ne doit pas se fatiguer beaucoup à travailler ni à récolter parce qu'on a trop de temps à faire d'autres choses plus intéressantes que de récolter. Donc voilà, c'est une tour où on a réuni tous les systèmes de récolte automatique qu'on connaît dans le jeu. Ouais. Donc en bas vous avez pastèque, citrouille, enfin melon d'eau, citrouille, en bas, premier et deuxième étage vous avez le blé, troisième et quatrième vous avez canne à sucre, et tout en haut vous avez du cactus. Alors pour aller vérifier, parce que je ne vous mens pas, on va aller jeter un œil en même temps, vous voyez j'ai enlevé mon armure en diamant pour avoir l'air plus beau, on prend le petit ascenseur qui nous en mène tout en haut, en deux temps, trois mouvements, merci. Voilà, donc vous voyez en haut les écoulements de cactus. Donc le système hein, bah, classique, hein, c'est-à-dire on fait pousser un cactus, ou on met un bloc, le bloc qui tombe, et tout avec les écoulements d'eau, tout arrive, tout tombe jusqu'en bas. Ici, vous voyez qu'il y a des petits systèmes de pistons qui vont casser les cannes à sucre. Et tout en bas, c'est le système d'écoulement d'eau qui permet simplement d'envoyer de l'eau sur les récoltes. Voilà, hop là. D'envoyer de l'eau sur les récoltes. Allez, on recommence. On était encore coincé dans l'ascenseur avec Ragmao, c'est pas grave. Allez, on va vous montrer comment ça marche. C'est toujours Ragmao. Bah voilà. Donc là, vous avez la tour de commandement du paquebot, du navire. La tour de contrôle. La tour de contrôle. Alors, avant de monter, bah, on va descendre. Ici, on a fait des petits accès qui permettent d'aller replanter parce qu'il faut aller replanter si besoin. Bah, malheureusement, le blé est un peu fainéant. Le blé ne se replante pas tout seul. Et tout en bas, ce ne sont pas les toilettes. C'est le stockage. Le stockage, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a des écoulements d'eau. Et vous voyez, il y a du cactus qui est arrivé. Et de l'autre côté, du cactus qui est arrivé. En fait, il faut savoir que tous les écoulements qui sont en haut arrivent en bas. Vive Newton, hein, c'est la chute de la pomme. Nous, c'est la chute du cactus. Alors, en exclusivité, j'espère qu'il y en a qui ont de la place dans les sacs. La récolte Ultra Express. Il y en a combien, des melons et des citrouilles? Oula, pas mal quand même. Hein. Ah ouais. Oh là là. Voilà. J'allais dire. Et ça repousse déjà, vous voyez, c'est bien éclair. Donc pendant qu'ils sont en train de s'amuser en bas, bah, je vais me dépêcher d'aller au premier avant qu'ils me fassent bugger dans l'ascenseur. Voilà. Et Miko se dépêche. Ah, je me dépêche. Ouais, il court, hein. Alors en fait ici, bah, des petits leviers, des petites lignes de couleurs. Donc on va simplement, je vais juste en faire un parce que bah, après il faut replanter. Donc on va dépêcher un... Bah vas-y, bah, fais-toi plaisir.
T'as le droit de jouer. Ouais, le vert ou le bleu turquoise. Et c'est voilà, parti. Et c'est parti. Vous voyez en fait tous les écoulements qui emmènent tout ce qui est le blé, les graines jusqu'en bas. Voilà, tu peux l'arrêter, c'est bon. Et on l'arrête. On arrête les écoulements. Et tout se range. Et il n'y a plus qu'à replanter. Et donc après, il suffit d'aller retourner vite fait au rez-de-chaussée. Ah, je vous ai eu. Ou pas. Voilà, de retourner au rez-de-chaussée et voyez en fait tout arrive ici en bas. Bien, très beau système. Quand même. Faut quand même vous dire que là, juste un côté, il va y avoir deux stacks de 64 de blé et autant de graines. Quand on active les quatre rangées qui sont en culture, ça lag beaucoup, ça lag tellement parce qu'il y a il y a plus de 1200 items qui tombent quoi. Ouais, donc vaut mieux faire champ par donc champ, on fait champ par champ, un à la fois, sinon on fait bien laguer la zone et tellement qu'on même nous on n'arrive plus après à la récolter tellement ça lag. Donc ça bah voilà, c'est la petite tour de récolte automatique qui fait que s'il y a encore des gens qui meurent demain sur Minecraft, c'est vraiment qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait plein de systèmes automatisés pour faire certaines choses. Sûr. Et avant de faire une petite pause et de retrouver Tazou et Gillette pour la suite, je vais vous emmener voir le. Je vous laisse voir la minimap, hein, voyez, on est dans des jardins. Le petit concept en plus qu'il y a au niveau de Modern City. Donc là vous avez la tour ADD qui est une grande tour d'habitation. On va pas vous la faire visiter, bah pourquoi? Parce que ça vaut le coup d'être découvert. Il y a des bureaux, il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout. Et il y a des habitations, c'est vraiment un immeuble à découvrir. D'aspect extérieur, il est assez standard. Hein. Vous voyez des grandes colonnes de verre. C'est vrai que certains diront c'est peut-être même pas joli. Chacun ses goûts, moi je trouve que il a sa place Modern City. Et donc les systèmes d'ascenseurs hein, vous permettent de tout visiter jusqu'en haut et pareil en haut on a une très belle vue. Donc je reviens au concept qui est bien Modern City, c'est qu'on va faire des villas d'architectes. Donc là vous voyez là une petite villa d'architectes assez basique, assez standard, qui jure pas avec le décor. C'est avec grande fierté que je vous dirais que c'est mon gamin qui l'a fait. Et qui l'a mis qui l'a fait pour Modern City quoi. Alors on va tricher, on va faire plaisir aux rôdeurs, on va enlever la pluie. Voilà. Les rôdeurs réclament tout le temps pour la pluie. Et donc en fait vous voyez ici il y a des parcelles qui sont avec des planchers en bois. La contrainte, chaque architecte de Modern City va devoir faire une villa d'architecte. Voilà. Donc il y aura une surface en bois et on ne devra pas dépasser la. On pourra faire un peu moins mais pas dépasser la parcelle. Un projet qui est en cours, qui n'est pas terminé, je vous le fais voir à moitié caché par les arbres pour le suspense. C'est un pont-levis. C'est un pont-levis, donc on ira le visiter quand il sera terminé. Sur ce, on va faire une petite pause et on se retrouvera avec Tazou et Gillette juste après.